Bonjour à tous, on se retrouve pour voir ensemble quel est le pire ennemi que vous allez affronter si vous vous mettez à investir en bourse. Quand vous pensez à vos ennemis en bourse, vous pensez sûrement au risque, c'est-à-dire au risque de perdre une partie ou peut-être même la totalité de votre capital, ou alors vous pensez peut-être à la volatilité, le fait que même si vous ne perdez pas votre capital, eh bien, vos plus-values et vos moins-values latentes vont bouger de manière extrêmement violente, notamment si vous êtes exposé au marché actions au niveau de votre portefeuille, ce qui peut causer des problèmes psychologiques parce que ça peut être stressant pour certaines personnes et ça peut créer aussi une certaine contrainte puisque vous n'allez pas être en mesure de retirer de l'argent si vous savez que vous êtes sur une très mauvaise moins-value par exemple. Néanmoins, ce n'est pas de cet ennemi dont je veux vous parler. C'est un ennemi qui est beaucoup plus macro et auquel on fait beaucoup moins attention. Le pire ennemi, à mon sens, en bourse, c'est l'ennui. Alors c'est étrange, dit comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, l'ennui, il va vous pousser à faire trop de choses. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, la manière la plus rationnelle et la plus efficace d'investir et de tirer profit de la rentabilité de la bourse, c'est d'opter sur un investissement passif via des ETF de manière à s'exposer au risque du marché, diminuer le risque spécifique, diminuer les frais et ainsi avoir la rentabilité maximale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie, elle requiert du travail en amont. Puisque bien évidemment, il faut ouvrir son PEA, il faut comprendre un petit peu ce qu'est un ETF, acheter l'ETF, et c'est une décision qui est lourde d'un point de vue mental, de mettre de l'argent, de le bloquer, alors même s'il n'est pas bloqué bien évidemment, mais vous avez intérêt à le garder bloqué au moins 5 ans pour avoir les bénéfices de l'avantage fiscal. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion initialement, et par contre après, c'est tout l'inverse. Après, vous avez juste à suivre votre plan. Après, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est investir chaque mois la partie que vous avez dédiée à votre portefeuille et ne pas y toucher. On ne vous demande pas de vérifier les cours, on ne vous demande pas de regarder l'actualité, on ne vous demande pas de regarder le PER de chaque action, on ne vous demande pas de regarder les évaluations ou les analyses fondamentales. Tout ça, on vous demande justement de ne pas le faire. Ce n'est pas seulement qu'on vous ne demande pas de le faire, on vous demande de ne pas le faire parce que le faire, ça va vous pousser à prendre des décisions qui sont irrationnels. Et avec les biais cognitifs, vous allez du coup perdre de l'argent. Et donc le paradoxe, il est là. Il est que si vous ne vous intéressez pas à la bourse, bah en fait, vous n'avez pas les connaissances suffisantes initialement pour investir. Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, qui se disent juste, bon, la bourse c'est trop compliqué, c'est dangereux, donc j'investis pas en bourse. Bon, certes, si vous êtes sur cette vidéo, probablement que vous savez que c'est une mauvaise position à adopter, mais ne pensez pas que parce que vous comprenez l'intérêt de la bourse, vous avez gagné. Parce que vous pouvez être sur le penchant opposé qui est tout aussi dangereux, c'est que vous vous y intéressez, vous investissez, donc ça c'est bien, mais après, vous êtes trop actif, vous êtes trop intéressé par ce sujet, et du coup, c'est là qu'on voit toutes les dérives de trading, de day trading, et même de manière générale, au-delà du day trading, de vraiment du management actif de votre portefeuille, qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas parce que personne parvient de manière durable à battre le marché. Alors croire que vous, petit individuel, vous allez pouvoir battre le marché alors que des fonds de milliards de dollars ne sont pas capables de le faire, bon, c'est clairement que vous avez la grosse tête si vous pensez ça. Donc de manière générale, c'est assez intéressant parce que la stratégie optimale, c'est de s'intéresser à la bourse, avoir assez d'informations pour établir son plan, établir son allocation. Savoir, voilà, je vais ouvrir mon PEA, ok, je vais mettre tant d'argent par mois, ok, je vais mettre tant d'argent dans des ETF, je vais mettre tant d'argent dans des obligations par exemple. Voilà, ça c'est ma stratégie. Donc ça va me demander du travail initialement. Et après, par contre, il va falloir s'en détourner. Et ça, c'est quasiment aussi dur que de s'y intéresser quand on n'est pas intéressé. C'est-à-dire que là, vous vous êtes intéressé à un sujet, donc vous avez envie d'en savoir plus, etc. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, bah, c'est de vous en détourner. Dès que vous avez mis votre plan en place, dès que vous avez commencé à investir, que vous savez comment vous allez faire, de toute manière, c'est le temps qui fera la différence après. C'est les 5, c'est les 10, c'est les 20 ans qui vont arriver.
Et ça, bah, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez, le temps il passe à la même vitesse. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous intéresser à d'autres sujets. Intéressez-vous à d'autres sujets qui vont vous permettre de développer votre indépendance financière. Intéressez-vous au sujet, par exemple, potentiellement des économies, de l'épargne, du bricolage, de la cuisine, de la récolte, de plein de sujets, mais même du sport, peu importe. Mais vraiment, ça c'est, et c'est quelque chose que j'essaye de faire activement, hein. J'essaye de ne pas trop m'intéresser à la finance malgré que ce soit une vraie passion pour moi, parce que je sais que ça me fait plus de mal qu'autre chose, vraiment. C'est-à-dire qu'au long terme, c'est pas une bonne chose pour moi de connaître exactement les actualités, de connaître toutes les cryptos qui viennent de sortir, tous les nouveaux investissements. C'est pas intéressant pour moi d'un point de vue financier. Donc, ce que je m'efforce de faire, c'est vraiment d'investir mon temps et mon attention dans des nouveaux sujets qui n'ont rien à voir ou qui ont un peu à voir, mais qui vont pas me pousser à prendre des décisions sur mon portefeuille. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se couper des informations de manière à ce que quand il y a un crash, quand il y a la nouvelle crypto-monnaie qui fait plus 1000%, bah, je ne suis pas tenté d'acheter cette crypto-monnaie. Quand il y a un crash, je ne suis pas tenté de vendre. Quand on met en doute les ETF, je ne suis pas tenté de changer mon allocation. Voilà. Je reste sur mon allocation, quoi qu'il arrive. Donc voilà pourquoi je pense que l'ennui, aussi étrangement que ça puisse paraître, eh bien, est finalement le plus grand ennemi que vous pouvez affronter en bourse. Si vous êtes d'un avis contraire, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi en commentaire.